Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alors, Juges chapitre 6, 25 à, 20, à 32. Judges 6, 25 to 32. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat les lieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les second taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père, les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés placés au-dessus étaient abattus et les second taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieux sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce qu'à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, l'on donna à Gédéon les notes de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous sanctifions ta présence. Merci car tu es le Dieu vivant. Bénis ces instants de la parole éternelle, règne et domine au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui me donne un plus grand Amen. Gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. My friend, you're tired. Are you tired? Yeah. Come here, just play easy. Come over here. Yeah, just play something. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler. We're talking about. Notre thème, c'est lorsque les fondements sont renversés. Our theme is when the foundations are destroyed. Et nous avons pu comprendre. And we have understood. Depuis que nous avons commencé, je crois, c'est la deuxième ou troisième semaine maintenant. And this is the third week. Nous avons pu introduire. We did introduce. Nous avons parlé sur les fondements. We spoke about foundations. Et pourquoi Dieu s'était posé la question? And why God asked himself a question? Pourquoi les fondements sont renversés? Why foundations are destroyed? Parce que Dieu a confiance qu'il y a un juste. Because God trusts in a righteous. Et en tant que juste, as a righteous, nous croyons que nous pouvons faire plus grand dans cette ville de Birmingham. We believe we can do great in this city. Mais avant de faire quoi que ce soit, before doing whatever, nous devons d'abord arriver à comprendre ce que c'est le fondement. We must be able to understand what foundation. Quelles sont les fondations qui ont été placées dans cette ville? What are the foundations that have been laid in this city? Et qu'est-ce que nous devons faire? And what shall we do? C'est ça l'objectif de ces enseignements. That's the objective of this teaching. Nous voulons que les gens arrivent à comprendre. We want people to understand. Que Dieu nous ouvre les yeux. May God open our eyes. Afin que nous puissions voir. For us to see. Et quand on voit. And when we see. On renverse. You're going to destroy. Alléluia. Amen. Et j'avais dit. And I said. Que l'autel. That the altar. C'est un lieu. Is a place. Où on vient donner les sacrifices. Whereby you come to offer. L'autel. The altar. C'est un lieu. Is a place. Où on passe à la rencontre de certaines divinités autres que notre Dieu. Where human beings come and meet up with divinity. Et ça c'est très important qu'on arrive à comprendre. It's important for us to understand it. Il y a deux types d'autels. There are two kinds of altars.
il y a l'autel de Dieu, there's God's altar, qui est élevé par les sauves, par les justes, which is built by the righteous. Il y a aussi l'autel de la méchanceté élevé par les gens qui adorent Satan. There's also a wicked altar that is built by devil worshippers. Et nous avons lu, and we read dans Genèse, in Genesis, au chapitre 8, chapter 8, nous avons vu, we saw, que un hôtel a été bâti par Noé. An altar was built by Noah. Et la Bible dit, and the Bible says, que l'odeur qui était montée, the smell that went up, a fait en sorte que Dieu puisse changer son avis, made God to change his views. L'hôtel qui est bâti par un enfant de Dieu, the altar that is built by a child, peut changer même la décision de Dieu, can even change God's decision. C'est pourquoi l'hôtel est très important. That's why the altar is very important. Que ça soit du côté de Dieu, que ça soit du côté du diable. Maybe on God or evil side. Mais ce que j'ai remarqué, but what I've noticed, moi, ce que j'ai remarqué, what I've noticed that, c'est que is that les gens du monde des ténèbres, people from the witchcraft, ils ont la meilleure notion, they've got a better que nous, les chrétiens, a better understanding of the altar than us Christians. Parce que les gens se disent, because people say to themselves, il y a eu trop d'abus. A love abuse of les gens parlaient de l'autel, on a fait des sacrifices, mais on ne voit rien. People made sacrifices on altars, but nothing is being seen. Sachez une chose. No one thing. La vérité reste la vérité. The truth will remain as such. Même si, even though, les gens ont abusé, people have abused, mais la vérité doit être prêchée toujours. But the truth must be preached. Ce n'est pas le fait que, it's not because, les autres ont mal présenté la chose, people did wrong things, que toi tu ne peux plus en parler, that you can no longer talk about it. Ce n'est pas le fait, it's not because, que les gens divorcent, people of the world, que toi tu n'as pas été marié, that you're not going to get married because of people. Do you understand what I'm saying? Because those are missing marriage. The parents that miss marriage. This is not going to stop children from getting married. C'est pareil aussi. The same. Avec la parole de Dieu. With the word of God. Si les autres, if others utilisé la Bible, have you missed la parole, the Bible or the word of God, we should not shut down. So the people disent ou pas de la même chose. Because people don't understand the same thing. Peu importe que les gens ont dit, no matter what people have said, la vérité reste la vérité. The truth will remain the truth. La Bible dit, the Bible says, vous connaîtrez la vérité, you know the truth, et la vérité vous rendra libre. And it shall set you free. Et nous devons prêcher la parole de Dieu. We must preach the word of God. Parce que on aussi, because if we shut our mouth, les vies des gens, people's lives, ne changeront pas, will never change. Et si les vies ne changent pas, and if those lives are not changed, it's our fault. Parce qu'on n'a pas bien présenté les choses. Because we didn't present the gospel. Nous promettons aux gens, we promise to people, que Dieu va bénir, that God is going to bless, que Dieu va faire ceci, God will do this. Mais quand il y a des choses qui réclament encore la personne, but as long as the altar is reclaiming the person, la personne n'ira pas loin dans la vie. The person never move forward. Lorsque vous avez quelque chose attaché à vous, if you've got something attached to you, vous pouvez courir, you could run. Mais arrivera un certain moment, at a point, vous ne pourrez plus avancer. You never go back. Parce que votre pied est attaché. Because your leg is attached. Vous devez maintenant fournir l'effort. You must make effort. Pour vous détacher. For you to set yourself. Alors que, then, si avant de commencer la course, instead of before vous étiez détaché, if you had set yourself free, même si les autres sont partis bien avant que toi, if other people run before toi, you, tu vas les rattraper et les dépasser, you catch them and overpass them. C'est pourquoi Jésus dit ceci. That's why Jesus says, avant de bâtir une maison, before building a house, il faut d'abord s'asseoir, you must sit down et réfléchir, and think. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ils ont bâti l'hôtel. The built an altar. Noé l'a fait. Noé did it. Et l'hôtel de Noé, and Noé's altar, a donné satisfaction à l'Éternel. Gave satisfaction to the Lord. Mais l'hôtel, by the altar, de Baal, of Baal, Dieu pouvait dire, God could have said, il pouvait dire à Gédéon, could say to Gideon, je suis Dieu, I'm God, je vais commencer une action, I'll start an action. Mais Dieu l'a pas dit. But he didn't say, Dieu l'a dit, he told him, je vais commencer. I want to start. Mais une seule condition, but what condition? Les balles sont d'abord renversées. May balls also be destroyed. Dieu veut commencer quelque chose dans ta vie. God wants to start something in your life. Mais il y a déjà une autre fondation qui existe. But there's a pre-existing foundation. On ne pose pas une fondation sur une autre fondation. You can never lay a foundation above another. On ne peut pas. You cannot poser une fondation sur une autre fondation. Lay a foundation above another. On rase d'abord la première fondation. You pour poser la fondation pre-existing for you to lay the new one. C'est pourquoi lorsqu'on prêche la parole, that's why when we preach the word, il y a certaines choses qu'on peut dire.
There are things that we can say that will never please your heart. The most important, mais le plus important, the most c'est que important c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Is that that's the word of God and that's the truth. Jésus Christ m'a dit. Jesus Christ. Ne mettez pas tout le monde d'accord. Was not pleasing everyone. Quand il parlait, when he was talking, il y avait des gens qui voulaient l'assassiner. Other people wanted to kill. Il y avait des gens qui voulaient le lapider. Others wanted to stop. Parce que ce qu'il disait, because what he was saying, bouleversait was l'entendement des autres, changing people's understanding. L'autel de Baal était là. God's altar was there. Là, Gédéon l'a fait la nuit. Gideon did it at night. Écoutez-moi. Listen to me. Dieu n'a pas dit à Gédéon. God never told Gideon de détruire l'autel la nuit. To destroy the altar at night. Il y a certaines choses que Dieu peut te dire. There are things mais il ne te révèle pas l'entièreté. But does give you it in full. Il peut te parler en partie. He can talk to you in half. Même lorsqu'on commence la vie chrétienne. Even when you start a Christian life. Il y a certaines choses qu'on découvre chemin faisant lorsqu'on commence avec le Seigneur. Things you're gonna discover while walking by. Il y a des gens qui attendent. There are people waiting. Que Dieu me parle d'abord. May God talk avant de faire quoi que ce soit. Before doing whatever. Que Dieu me parle d'abord. May God talk que Dieu bouffe. May God open the door. C'est vrai, Dieu peut le faire. God can do it. Il y a d'autres choses que tu vas les découvrir en faisant. But en continuant. You are going to discover it, but why are you walking? Why are you doing it? Tu peux être là. You could be there. Tu connais où se trouve Grand Central à New Street. You know where to find the Grand Central. Mais pour aller là-bas, il faut marcher. And for you to get there, you pendant need to. Que tu marches pour aller au Grand Central. While you walking toward there. Tu vas dépasser les Yasmin, les City Hospital. You're gonna go through some traffic lights. Neighborhoods. Comment tu découvres cela? How are you? C'est marchant. By walking. C'est pareil aussi. The same. Lorsque nous sommes avec le Seigneur. When we are with the Lord. Il y a certaines choses qu'on découvre. There are things you discover. Laissez-moi vous dire, il y a aussi certaines erreurs que nous commettons sur le chemin. Some mistakes are going to be committed on the way. Des fois, les erreurs sont tolérées. Some mistakes are tolerated. Suivez-moi bien, tolérées. Tolerated, I mean. Mais pas accepté. But not accepted. Un enfant lorsqu'il commence à marcher. When a child starts walking. Lorsqu'il marche. When he walks. Il tombe. He can fall down. Pourquoi le papa est content? Why the father is happy? Parce qu'il sait qu'il a commencé à marcher. Because he knows that he started walking. Même s'il fait deux pas, trois pas, il tombe. After two, three steps, he falls down. Mais après un certain moment. But after a while. L'enfant va commencer à bien marcher. He will start walking well. Je ne dis pas que dans la vie du Seigneur. I'm not talking about. Quand je parle de tomber. Je ne fais pas allusion à la fornication. I'm not thinking of fornication. Mais il y a des choses des fois on ne comprend pas encore. But the things that you don't understand. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à discerner. Things that you're not able to understand. Le plus on avance avec le Seigneur. The more you walk with the Lord. On va dire que je donne un exemple. I'll give an example. Il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. There's no more condemnation for those that are within Christ. On remarque que chemin faisant. But you notice that while walking. Un chrétien qui a fait 5 ans à l'église. A Christian that spent 5 years in church. Lorsqu'on prie, when we pray, lorsqu'on nous prions, when we pray, les démons se manifestent. Demons manifest themselves. On se pose la question. You ask yourself. Ça fait 5 ans qu'il est à l'église. He's been in church for 5 years. Comment il y a des démons? How come he's got demons? Dieu, il fait les choses progressivement. God does things slowly. C'est pourquoi j'avais dit. That's why I said. Il y a certaines fondations. There are some foundations qui se coulent au moment où on accepte le Seigneur. That are going to be destroyed while you accept the Lord. Je vous donne un exemple. I give you an example. Si tu es un idolâtre, if you are idolater, tu acceptes le Seigneur. You accept the tu Lord. Vois que c'est le plus bon. You see that that's normal. Tu arrêtes. You're gonna stop. Mais il y a certaines choses. But there are things. Comme je vous ai dit. As I told you. Lorsque Abraham payait sa dîme. When Abraham was paying his tithe. Lévi a payé aussi sa dîme. Levi paid as well. Lévi n'était pas là. He was not there yet. Mais c'est ce qui fait que. But this is what lorsque nous lisons dans la Bible. When we read the Bible. Vous allez voir. You'll see. Que Lévi n'avait pas d'héritage. That Levi didn't have any inheritance. Pourquoi les Lévites n'avaient pas l'héritage? Why didn't they have it? Parce que Abraham, quand il a payé la dîme. Il a sacrifié l'héritage de Lévi pour qu'il soit consacré à Dieu. Because when the great father Abraham paid the tithe, he sacrificed the heritage for Levi for him to be consecrated. Et c'est pourquoi au moment du partage, il n'a rien reçu. That's why they never received c'est anything. C'est de la même manière aussi. The same as well. Si nous sommes une famille, if we come out of a family, nous avons, we have un prêtre, a priest. A mysterious priest. Celui qui a offert les sacrifices de la famille. Whoever offered the family sacrifice. Si le grand-père.
if the great-great-father était sorcier, was a witch, il offrait les sacrifices. He offered a et sacrifice. Comme nous sommes sortis de cette lignée, because we nous aussi nous avons participé indirectement à la sorcellerie. And directly participated to that. Et cet hôtel reste gravé là. This altar remains there. C'est pourquoi nous voyons. That's why we see. Je récapitule un peu ce que j'avais dit les jeudi. I'm gonna come go back to what I said. Et ce que nous voyons c'est quoi? What we see? Les gens qui sortent des familles divisées ou des papas divorcés. People coming from divided families. Il y a cette tendance de divorce qui hante le couple. They always tend to divorce. La femme a la tendance de quitter le mariage. The woman is pushed to run away from le mari. A tendance à prendre une deuxième, troisième femme. So is the husband tempted to take the second il wife? De par lui-même. He does contain himself. C'est même lui. He c'est does not know how to mais il n'arrive himself. Pas. He's not able to. Toutes les choses que tu n'arrives pas à maîtriser qui est au-dessus de toi, c'est qu'il y a une puissance derrière elle qui est plus grande que ce qui est en toi. Anything that put you that make you able to contain yourself means that there's a powerful there's a power which is above you. Je vous donne un exemple. I'll give you an example. Comment quelqu'un peut tenir sa langue en bride? Cela veut dire quelqu'un qui peut maîtriser sa bouche, ne pas trop parler. How can somebody contain their own mouth, not talk a lot? Mais comment expliquer toi tu n'arrives pas à te taire? How come you not be able à chaque fois que tu fais un effort, every time you make an effort, de ne pas calomnier, to not lie? Mais c'est la calomnie qui sort de ta bouche. It's lonely lies. C'est qu'il y a une puissance derrière ces choses. It means there's a power behind it. Si tu sors d'une famille, if you come from a family, la grand-mère, the grandmother, maîtrisait le grand-père, was overlooking the grandfather. La grand-mère. The great comme chef was being leading the house as a chief. Et tu verras aussi que toi aussi tu as tendance à dominer les hommes. You notice you have the same kind of behavior. Et tu entres même dans ton couple avec cet esprit de dominer l'homme. You always tend to dominate upon your husband. Tu as entendu les enseignements, mais si tu n'arrives pas quand l'homme est là, tu sens comme si c'est ton petit frère que tu dois maîtriser. You've listened to teachings, but you're not being able to overcome that behavior. You love your husband, but not being able to respect him. You make an effort. If you do respect the man, then 10 days with lack of respect. If you make an effort, it's beyond your strength. We must go back and see what is happening in your life. The same Jesus that I received, that's the same you received as well. So how come you're not able to contain yourself? I was talking to my brother this morning. I remember back in days, my father, he was running as a chief. He was driving a chief. De notre de chez nous de Kabinda. From my village. Et dans la voiture. In the car. Mon père entendait dans le wallet, dans le portefeuille. My father could hear from the wallet. Un homme en train de crier. A man shouting. Tu m'amènes où? Tu m'amènes où? Where are you taking me to? Il est mon père ne voit pas la personne. My father was not able to see. Les hôtels crient. But the les hôtels pas. Others cry, shout and talk. Are you ready for us to talk? And you notice, lorsque il y a eu révolte en Israël, when there was a revolution in Israel, un des enfants de David, one of David's child, pendant qu'on voulait on le poursuivait. While he was being pushed, he went and hold the horns on the altar. On ne pouvait plus les prendre parce que l'autel, le corps servait de protection. On ne pouvait plus toucher. He could not be touched because the horns was helping as a protection. Il y a des gens qui s'abritent sur l'autel. On ne peut plus les toucher. Other people are hiding themselves under the altar and they cannot be touched anymore. Donc il faut un autel supérieur, une onction supérieure pour briser l'autel. Therefore, you need a superior altar for you to break it. Alors aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler encore sur les
want to talk about kinds of altars today. Le premier type d'autel que j'aimerais partager avec vous. First type of altar I want to share with you. L'autel. The altar. Je vais parler, excusez-moi, des caractéristiques de l'autel. The characteristics of the altars. L'autel. The altar. Premièrement. First thing. C'est un lieu désigné afin d'offrir des sacrifices à Satan. It's a place that has been chosen to offer sacrifice to the devil. Et à ses démons. And his demons. Donc l'autel. The altar c'est un lieu is a place désigné, but it's been chosen pour offrir des sacrifices to offer sacrifices au diable et au démon. To the devil with his demons. Qu'est-ce que je veux dire par là? What do I mean? Ce que je veux dire, c'est quoi? What I mean is, comme cela est applicable dans le Seigneur, as this can be done within the Lord. Écoutez-moi. Listen to me. People think that the devil is disorganized. Non, le diable, en cet cas-là, le diable est bien organisé. He is well organized. Pourquoi je le dis? Why am I saying? Parce que le diable, because the devil, je veux dire Lucifer, Lucifer, était dans la présence de Dieu. Was in God's presence. Il connaissait l'organisation ou je veux dire comment dire encore l'organigramme. La structure, voilà. He knew the hierarchy. La structure du ciel. He knew the heaven's hierarchy. Il savait que Dieu est père. Tu es là. He knew that the Father is there. Il savait qu'il y avait des archanges qui étaient au nombre de trois. That angels, that three angels. Y compris lui. Including himself. Et quand il est, quand on l'a précipité. When he was chased away. Dieu n'a pas enlevé en Lucifer l'essence d'organisation. God never took away from him the organization. Il est bien organisé aussi même sur la terre. That's why he's well organized even on the earth. De la même manière qu'on offre les sacrifices, the same way he offers sacrifice to God. C'est de la même manière qu'il a donné aussi l'intelligence à ses acolytes de préparer l'autel. The same way he gave knowledge to his people to prepare the altar for him. Quel était le problème? What was the problem? Le diable dit, Lucifer disait à la même. Lucifer was telling, je vais m'élever. I will rise et je vais m'asseoir. And I will sit. Il voulait se faire comparable à Dieu. He wanted to make himself equal. C'est pourquoi il bâtit aussi les hôtels comparables à l'hôtel de Dieu. That's why he's building the same altars that are unlike the gods. Parce que son objectif, because his target, c'est de décaler Dieu. Is to be equal to God. C'est pourquoi tout ce qu'il fait, that's why everything il copie ce que Dieu fait. Always copies what il sait que Dieu bénit. He knows that God blesses. That's why he built altars to bless us. Alors, l'hôtel est un lieu où on sacrifie. Altar is a place where you offer sacrifice. On ne peut pas parler d'un hôtel sans sacrifice. You can never talk about an altar without sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas d'autel. Without sacrifice, there's no altar. Sans autel, il n'y a pas de sacrifice. There's no sacrifice without altar. Donc les deux marchent ensemble. They work together. C'est pourquoi l'autel. That's why the altar. Lieu où on offre les sacrifices. Is a place where you must offer sacrifice to divinity. Alléluia. Amen. Deuxième caractéristique. The second characteristic. L'autel. The altar. Est un lieu où le sang est répandu. Is a place where blood is shed. L'autel, the altar, c'est le lieu où le sang est répandu. Is a place where the blood is shed. Que ça soit des animaux, could it be animals, ou des hommes, or humans. Et vous savez avec moi, and you know with me, que la vie c'est tout dans le sang. Life is within the blood. La Bible dit, the Bible says, dans Genèse, in Genesis, que le sang d'Abel crie. Le sang d'Abel. Abel's blood cried. Comment le sang peut crier? How can a blood shout? En d'autres termes, in other words, ça voulait simplement dire, it just means que la vie, life d'Abel, Abel's life crier, cried. C'est pourquoi même aujourd'hui, that's why even today, le sang de Jésus, Jesus' blood, a la même puissance que le jour où il a été versé à la croix. Has got the same power, the same with the same day he was shed on the cross. Parce qu'il y a la vie de Jésus dans le sang. Because Jesus' life is within his blood. Et c'est pourquoi le diable sait l'importance de l'autel. The devil knows the
importance of an altar. Parce qu'il sait que lorsque on amène les sacs, on amène déjà la vie de la personne. Because you know when the blood is brought up, it's people somebody's life. Vous imaginez combien de fois nos sangs ont été prélevés? Can you imagine how many times your blood was taken? Lorsque nous étions passés, nous sommes partis dans les hôpitaux, on a pris les sangs. The hospital, you gave your blood. Je ne fais pas peur, non, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais je suis en train de parler des choses qui se passent. I'm just talking about the things that happen in the society. Le sang d'Abel crie, le sang de Jésus crie. Donc la vie de Jésus crie. Blood shouts and Jesus' life shouts as well. C'est pourquoi le sacrifice. That's why the sacrifice est toujours accompagné de sang. Is always accompanied by blood. C'est pourquoi même quand nous donnons à Dieu, when we give to God, nous donnons we give notre vie, our life. C'est pourquoi il dit dans les livres de Romains, chapitre 12, chapter 12, le premier verset, offrez nos corps comme un sacrifice vivant. Bodies as a living sacrifice. Parce qu'il sait, because he knows, lorsque on donne la vie, when you give on life, donne le sang, you give blood, le sang est répandu, the blood la is shed, vie est à l'intérieur. The life is within. Et vous allez comprendre même les gens du monde. You understand even people from what? Say, que le sang de cette personne qui réclame. This person's blood is calling you back. Quiconque a déjà commis un meurtre dans sa vie. Whoever committed a killing, il n'est jamais tranquille. Whoever has committed a murder is never eased. Parce que à chaque instant, because every time, il y a toujours cette image qui revient. C'est là, mais le sang de cette personne. This picture comes back because that person's life is claiming back. C'est de la même manière quand quelqu'un a commis des avortements. The same when somebody commits. Le sang de ces enfants-là. Those kids' blood. God is saying, here we are. Il y a des gens qui ont une manière simpliste de voir les choses. Some people see things easily. Comme je suis le Seigneur, c'est fini. As-tu le temps de confesser ces choses? Because I'm within the Lord, it's over. Have you had the time to confess? Non, il n'y a plus de condamnation. Il y a plus de condamnation. Mais moi, je ne viens pas te condamner aussi. I'm not condemning you. Mais je viens seulement rappeler une réalité. I just remind you a reality. Tu as eu le temps de confesser gloire au Seigneur. You have the time to confess. On a eu le temps de prier pour ton gloire au Seigneur. You have the time to pray. Mais moi, je m'arrête tout. Moi, je m'arrête dans l'axe, dans l'axe, je veux dire. But I'm stopping on the way. Du diable. L'autel. Seeing on le sang est répandu. Altar is a place where the blood is shed. Troisième caractéristique de l'autel. The third characteristic. L'autel. C'est une table démoniaque où les diables et les démons sont servis. Is a demonic table where the devil and his demons are served. C'est une table démoniaque. It's a demonic table où les diables et les démons sont servis. Where the devil with his demons are served. Qu'est-ce que je veux dire par là? What do I mean? Je veux simplement dire. I just mean. C'est une table qu'on laisse. It's a table that's prepared. Ce n'est pas les diables ou ces gens qui viennent donner en sacrifice. People come to give to the devil. Il y avait une histoire. There was a story. Then, of a man. Un jour, vous savez, c'était au pays. Back home. Les toilettes sont séparées des maisons. Toilets are separated from houses. Et pendant qu'il sortait pour aller aux toilettes, while he was going out to the toilet, on a tiré dessus. He was shot. D'une manière mystique. Mysteriously. Une chose. One thing. Le diable essaye toujours de justifier comment il récupère les gens. The devil always tries to justify the way he claims people back. C'est-à-dire, quand il veut récupérer quelqu'un, il provoque l'accident. If you want to take somebody back, you will provoke une maladie incurable. Or a terminal illness. Lorsqu'on le voit quelqu'un, lorsqu'on le voit directement, c'est déjà trop tard, la personne va mourir. When the person is being seen by doctors, it's là, too late. The devil takes him back. Et il s'est fait que l'homme est mort. What happened is that the man died. Les deux femmes avaient beaucoup d'enfants. He had a lot of kids. Maintenant, l'un des enfants va après va confesser pour dire. One of the children will confess later on. On m'a trompé. I've been lied. Je ne voyais pas que c'était la figure de papa. I couldn't see that it was my dad's face. Moi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. I thought it was someone else. Et ils m'ont dit. They told me. Si je fais cela, if I do it, je serai promu. I'll be promoted. Et il a tué son père. He killed his father. La conséquence est quoi? The consequence. Dieu l'a pardonné. God forgave. Mais il ne connaît pas l'affection d'un papa. But he does know a father's affection. Il y a des choses que nous faisons. There are things we do. With consequences. Alléluia.
Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Je suis en train de dire que c'est une table démoniaque. I'm saying it's a demon. Comme l'enfant a tiré sur son père. Because the child killed his father. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Maintenant, lui vient pour auprès de sur la table présenter son père. Now he comes to the table and presents his father. Et les démons commencent à manger. The demons start eating. Ce sacrifice. This sacrifice. Et en retour, il a reçu la promotion. He called the promotion. Quelle est la promotion dans le monde des ténèbres? What is the promotion in the world? On te donne des démons qui seront maintenant à ton service. They give you demons that will be serving you. C'est pourquoi vous allez voir facilement. That's why you easily see. Dans le monde des ténèbres, il y a des grands. The great people in that world. Non, celui-là, c'est un grand. Say that one is a great person. C'est un qui est élevé. He's more higher. Vous savez pourquoi il est élevé? Do you know why he is higher? Bien aimé. Beloved. Sacrifice. Le grand sacrifice correspond aux grandes rémunérations. The great sacrifice brings great rewards. Même aussi dans la vie de Dieu. In God's life as well. Those that sacrifice themselves for God, God blesses them in a different way. It's important to understand it. On this table, on présente la chair. They bring flesh. On présente si les gens aiment la tête. If people love the head. On présente la tête, on met les lumba, on fait tout pour bien manger. They bring the head with a lot of spices. Si tu parlais trop, l'homme là-bas mangerait pas ta bouche. If you were a talkative person, that one will eat only your mouth. Si tu aimes bien te promener. If you love to walk in a row. Tu vas commencer seulement à manger tes parties postérieures. They will start eating your backside. Et l'autre qui a sacrifié la personne a une promotion. And the one that gave the sacrifice is promoted. Frères et sœurs, brothers and sisters, le diable est méchant. The devil is wicked. Le diable est méchant. The devil is wicked. Même les sorciers. Even witches. Même quelqu'un peut être sorcier. Somebody can be a witch. Il peut être ton père, ta mère. Could be your father, your mother. Par rapport au sacrifice. But in regard to sacrifice. Et par rapport à ceux qui s'attendent dans le monde spirituel, il peut te sacrifier. He can offer you as a sacrifice in regard to what he's expecting from the darkness world. Même ton mari que tu dis chérie, I love you so much. Even your husband that you love can sacrifice. Même ton enfant que tu as mis l'argent dans le compte, peut te sacrifier. Your child for whom you have invested a lot of money. La Bible dit il n'y a pas de sécurité pour ceux qui descendent et pour ceux qui montent. The Bible says there's no security for those going down and up. Même le diable. Even the devil. Pour les sacrifices. For the sacrifice, il ne choisit pas n'importe qui. He never chooses c'est anyone. Pourquoi les gens qui sacrifient les mains, donne-moi ton enfant, le premier-né. That's why people making sacrifice, they will seek for your firstborn. Donne-moi l'enfant que toi tu aimes plus. Give me the child you love most. Mais Dieu l'a parce que Dieu demandait aussi à Abraham. The devil understood because God asked from Abraham. Il veut voir Ismaël. He could not have taken parce Ismaël le premier-né. Because that was the firstborn. Mais Dieu lui a dit. But God told him. C'est lui que toi tu aimes. The one you love, Isaac. Même le diable aussi. Even the devil as well. Il demande ce qui coûte cher. He asks what is most expensive. Vous avez suivi les témoignages. You heard the testimonies. Les gens qui disent. People say. J'ai sacrifié mon père. I sacrificed. J'ai sacrifié ma mère. My mother. Pouvez-vous imaginer? Can you imagine? L'être le plus précieux. The most precious being. Si tu n'es pas encore marié, c'est ton père et ta mère. If you're not married yet, it's your father and your mother. Mais le diable amène les gens à sacrifier. But the devil asks people to sacrifice their parents. Parce qu'il y a un hôtel, l'hôtel du diable. Because he's got an hôtel. C'est une table. Which is a table. Où le diable et les démons sont servis. Where the devil with his demons are served. Après avoir mangé. After eating. Maintenant ils vont essayer de te bénir. They will try to bless you. Et quand tu ne fais pas ce qu'ils demandent. And if you don't do what they ask you to. Ils vont te tuer. They will kill you. Vous avez appris dans les témoignages, il y a des gens qui, lorsque c'est arrivé à leur tour, non, moi je ne veux pas sacrifier, moi le tue. You've heard testimonies where people said, I can no longer give sacrifice, they've been killed. Troisième caractéristique de l'hôtel. Quatrième. The fourth characteristic. L'hôtel est un lieu d'échange spirituel. The altar is a place of spiritual change. L'autel est un lieu d'échange spirituel. The altar is a place of spiritual. Qu'est-ce que je veux dire par échange spirituel? What do I mean by that? L'autel. The altar. Est un lieu où? Is a place where. Les démons. Demons. Les sorciers. Witches. Échangent la destinée des hommes.
change people's destiny. Change les étoiles. They change stars. Je parle, on a parlé des étoiles. We spoke about stars. Lorsqu'ils voient que ton étoile est en train de briller, if they see that you've got a shining dans star, les ténèbres, ils ont la capacité de changer ta destinée. In the darkness world, they've got the capacity to change your destiny. Vous dormez? Are you sleeping? Tu es là? Are you here? Vous allez remarquer une chose. You will notice one thing. J'ai parlé avec ma sœur qui m'a dit un jour. I was talking to my sister one day. Au Luxembourg. She said in Luxembourg. Elle était au centre-ville. She was living in the city. Elle voit une femme bien habillée, sac Louis Vuitton. She saw a well-dressed woman. Une femme âgée, âgée vraiment. An elderly woman. Et lorsqu'elle rencontre ma sœur. And when she met my sister. Elle dit. She told her. Tu es congolaise. Are you from Congo? Je vois ton étoile en train de briller. I can see your star shining. Je vois qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qui ne marchent pas encore. But there are some things that are not working well. C'est comme ça que le monde des ténèbres attrape les gens. That's how the darkness world catches people. Ils peuvent te dire quelque chose. Tu sens que c'est vrai. Imaginez que une vieille luxembourgeoise. An elderly woman from Luxembourg. Comment peut-elle savoir que ma sœur est une Congolaise? How could she know that my sister was from Congo? What revealed it to her? Le monde des ténèbres. The darkness world. Le diable sait que quand tu marches, tu as l'étoile. The devil knows when you walk, you've got a star. Si tu ne fais pas attention, if you don't pay attention, il y a des gens dont leur étoile a été changée. People's star has been changed. Il y avait un témoignage il y a longtemps. There was a testimony long ago. Un homme, a man, était à l'école. Was at school. Et pendant qu'il était à l'école, while he was at school, je sais pas faire quelque chose. Give me your back. No words. Et était à l'école. He was at school. Et qu'est-ce qu'il faisait pour prendre la destinée des gens? What was he doing to catch people's destiny? Sorry, I know it's very expensive. Vous avez vu, quand ça tombe, ça attire l'attention, n'est-ce pas? When he falls down, he attracts attention. Et lorsque l'attention des gens est attirée, and when he attracts your attention, pendant qu'il était à l'école, when he was at school, il prend l'intelligence, il vole l'intelligence le plus intelligent à l'école. He steals the intelligence of the most clever person in the class. Automatically, il brillait. He was shy. Il ne brillait pas parce qu'il était intelligent. He was not shy because he was clever. Il brillait parce qu'il prenait l'intelligence des autres. Because he was taking people's intelligence, using it. Le monde des ténèbres est bien bizarre. The darkest world is so bizarre. Le monde des ténèbres est bizarre. The darkest world is so bizarre. Les gens disaient auparavant. People used to say, nous ne sommes pas d'une même tribu. We not coming from the same tribe. Tu peux bien faire. He can never do anything to me. Il ne sait pas là où on a mis mon nombril. Il ne fait rien. He doesn't know where my belly button is. Pourquoi il faut voir bien aimer combien de gens sont stupides. That's how you can see how many people are stupid. L'enfant aimé. A child is on va mettre une tige d'aliment sur la tête. You put a stick, match stick in his head. Pour le protéger qu'on ne vole pas son cerveau. To protect him for his brain. Cette tige d'aliment qui est utilisée par les fumeurs de cigarettes. That stick is being used by smokers. C'est ce qui va protéger que le cerveau de l'enfant ne soit pas. Do you think is that the thing that is going to protect your child's brain? Même si le diable veut quand même nous amener dans l'idiotie, pas quand même à ce niveau-là. Even if the devil wants us to be idiots, not at that level. Donc faisons très attention, bien-aimés. Let's be careful, beloved. Tu peux être là, mais ton étoile peut être utilisée dans le monde des ténèbres. But your star can be being used in the darkness world. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Faisons très attention, bien-aimés. Be very careful, beloved. Parce que lorsque cet autel est établi, for when the altar is built, on peut faire en sorte que quelqu'un qui était trop intelligent devient useless. A very intelligent person can become a useless person. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui parle bien français, mais quand vous regardez ça, vous dites mais il y a une compatibilité entre ce qu'il est et
Have you never seen somebody talking very well, but when you look at his life, there's incompatibility? Tu te poses la question, mais cette personne, qu'est-ce qui ne va pas dans ça? Ce qui ne va pas, c'est qu'il a déjà été sacrifié. What is not working well is that the person has been sacrificed. Already sacrificed. Il peut faire tout. They can do whatever they can. J'avais vu un jour sur WhatsApp pour m'envoyer une vidéo. One de monsieur qui parle bien français au Congo. A man talking for mais quand vous regardez son corps, ça frise vraiment la pauvreté. When you look at his body, it's really, really. Avec poor. Tous les Français qu'il peut parler. With all mais il y a quelqu'un d'autre qui ne sait pas placer une et un. But there's somebody else that he can even he not use French. He's his chief. C'est pourquoi dans la vie, il y a un niveau. Quand tu es en deçà de ce niveau-là, ce n'est pas normal. That's why in life there's a level whereby if you go down beyond it, it's not normal. Cinquième caractéristique de l'autel. The fifth characteristic. L'autel satanique, c'est le lieu d'adoration. The satanic altar is a place of worship. C'est le lieu d'adoration. It's a place of worship. Parce que lorsque nous venons, when we come, nous chrétiens, nous venons, as Christians, nous offrons des sacrifices à Dieu. We come to offer sacrifice to nous l'adorons. We adore him. De la même manière aussi. The same way. Dans le monde des ténèbres. In the darkness world. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un. There's no one, beloved, qui aime l'adoration comme le diable. That loves worship. Parce que Lucifer, son rôle, c'était d'amener l'adoration auprès de Dieu. Because his role, his duty used to be to bring that adoration to God. C'est pourquoi vous allez voir quand les gens qui sont dans le monde. That's why you see earthly people. Ils chantent. When they sing. Ça fait pleurer quelqu'un. Make somebody cry. Ils chantent même Zamba. When they call your name, you feel like crying. Ta beauté. Your beauty. Comment I don't even know, remember how they sing it. I'm not going to sing it again. You're not going to tomber dans le piège du diable. Otherwise, you're going to fall into the devil's trap. Un pasteur un jour, il dit, non, vous croyez que nous sommes. Saying, nous ne sommes pas venus du monde. Do you believe we never. Aujourd'hui, je vais vous montrer les acapes. J'ai fait les acapes. I'll show you how good I'm. Mettons d'abord la Bible à côté. Le pasteur a fait les acapes à Allah. The pastor sang. Et aussi les gens comme dans l'église, il y a toujours des gens qui ne marchent pas. There's always those people. Il y a des gens qui faisaient des altos, les sopranos. They were singing with him together. Le pasteur dit, ouais, j'étais aussi prêtre. The pastor said, you see, I used to be there as well. Non pas ça. Not that one. Le diable, l'autel, il bâtit l'autel d'adoration. The devil built an altar for adoration. Il aime être adoré. He loves to be worshipped. Des fois, bien aimé, nous négligeons des fois Dieu. Quand on dit adore Dieu, il y a des gens qui ouvrent les yeux. Sometimes when we say let worship God, people open their eyes, Seigneur, start scratching, say they've got nothing to say at all. Mais il me dérange, moi j'adore mon cœur. I'm going to worship. Si vous avez un modérateur qui est trop sévère, ma sœur, tu l'adores pas. Mostly when you have a worship leader that is asking you to do the same thing. Et si le modérateur peut te déconcentrer, la sœur peut dire, et ça, c'est quoi? And the sister can even answer badly to the worship leader. Parce qu'on ne comprend pas que c'est un moment où nous venons sacrifier à Dieu. Because we don't understand that's the time we come to offer sacrifice to God. Adore. The satanic altar worships. Sixième caractéristique de l'autel. The sixth characteristic. L'autel satanique, c'est le lieu où l'on scelle l'alliance spirituelle. The satanic altar is a place where a covenant is being made, spiritual covenant. L'autel satanique, c'est le lieu où l'on scelle l'alliance spirituelle. That's a place where a spiritual covenant is sealed. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Tout celui ou celle. Et whoever dans sa vie, in their life, a eu le temps de faire l'échange de sang. Have had the time to share or exchange blood. Sucer le sang de l'autre. Drinking someone else's blood. Pour dire on va jamais se séparer. Saying we shall never split. Je vous ai dit auparavant. I told you at the beginning. Que le sang. That the blood. Crie. Shout. Comme le sang crie. Because it le fait que tu as partagé ce sang.
just because you shared it, sa foi crie toujours en toi. Their voice keeps on shouting within you. Ne t'étonne pas. Do not be astonished. De voir un frère, to see a brother, un papa sérieux. Is serious. Quand je parle d'un papa sérieux, when I'm talking about my father, ce n'est pas le papa qui va au dehors un petit, une petite fillette là, j'ai le frère, It's not the one that is being met down. Un papa sérieux, c'est un papa qui sait ce qu'il veut dans la vie. It's the one that knows what he wants in the life. Quand je parle de savoir ce qu'il veut, il y a des gens aussi qui savent ce qu'il faut, mais ils ne font pas ce qu'ils veulent. There are people who know what they want, but they don't want what they don't quand do what they want. Quand tu ne fais pas ce que tu veux. If you don't do what you want, you look like somebody that is doesn't know what to do. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You will notice. A married mother. Se retrouver avec son ex. She found herself with her ex sur même lit. On the same bed. Pourquoi? Why? Le sang. The blood. Abel. Calls back. Si c'était le sang de Timothée. If he was Timothy's blood. Toi tu es avec Abel. You are with Abel. Timothée va toujours commencer à t'appeler. Timothy will keep on calling you. Je donne seulement un exemple. I'm just giving an example. Timothée. Timothy will call. Tu es avec Abel. You with Abel. Abel tells you, don't you love him. De Timothée. But you listen to the Timothy. Je n'ai pas oublié. I've not forgotten you. Abel vient de donner un cadeau. Abel gives you a present. C'est le même cadeau que Timothée avait donné, mais en plus. That's the same present that you got from Timothy, but was much expensive. Timothée, vous m'avez savé comment me valoriser. Yes, said Timothy knew how to value me. Pourquoi? Why? Le sang. The blood shout. Même si even though Albert can buy une maison pour toi, a house for you. Mais tu te souviens, but you always remember costo, that small thing. That Timothy small thing. Tu préfères, you rather prefer cet hangar et Timothée, that home que la maison d'Alphonse. Then Alphonse's house. Qu'est-ce que tu fais, le sang qui est tout en toi. It's the blood that is within you. Parce que c'est ça qui constitue l'autel. Because the blood is an altar. À un moment tu restes toi-même. At a point you remain yourself. Alphonse n'est pas là. Alphonse is not there. Tu pleures. Ah, Timothée. You cry, my Timothée. Qu'est-ce qui te fait pleurer, Timothée? What le sang qui est en toi. It's the blood that is within you. C'est pourquoi sur Facebook, tu cherches tous les Timothées. Il y a 50 000 Timothées qui cherchent. Tu passes ton temps à chercher. Timothée va frapper. Timothée va frapper. Social media. All the Timothées come up. Are you still looking for one? Tu commences à chercher tous les gens qui étaient collectés avec Timothée. You see for everyone that was collected. Tu connaissais tout Timothée. Asking them where is it? C'est la fois la maman à la maison, maman triste, ne sourit pas. You see a very sad woman at home. Le jour où tu verras que maman commence à sourire. The day you see her, c'est la retrouvée Timothée. She has found Timothy. Maintenant la joie de partager avec Timothée. Now the joy to papa, s'il te plaît. Please, ne sois pas complément circonstancié d'accompagnement de la joie de Timothée. Do not be there just to accompany the joy that Timothy brings. Ça veut dire quand tu répliques la joie. It means the joy is brought to you. Surtout avec vous qui avez l'habitude. Mostly you that are you. Video, WhatsApp, video, ceci là. To video everything on social media. Ta femme est loin. Your wife is ton far mari away. Est loin. Your husband is far away. Video. Enfant non admis. Which is not allowed for kids to see. Ce que vous ne savez pas. What you don't know. Cette image là passe par un central. That image goes. Et c'est central la garde les images. And that thing keeps. Le jour où tu voudras postuler pour être président de la République. The day you'd like to become a chief of state. On va faire sortir cela à l'écran. That will be brought out. You smiling. Let be very careful. Fais attention. Be careful. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Life reserves a lot of surprises. Les erreurs qu'on peut faire. The mistake that can ça peut nous accompagner. Can follow us on the way. Toi qui n'es pas encore entré dans le mariage. You who's not married. Tu as fait une telle alliance.
You made a covenant. Descends, on doit prier pour toi. Blood covenant, we must pray for you. Toi qui es déjà dans le mariage. You who are in the marriage. Jusqu'à présent. À partir de là. Je le reprends. Moi, mais je le reprends quoi. I'll start again. Tu ne peux pas. You can never. Ma soeur, mon frère. My brother and sister. Garder les relations avec les ex. Keep the relationship with your exes. Oui, tu as bien dit. Parce que les gens qui ont des exes avec les ex à la fin, avec les ex à la fin. I love people that have got a lot of exes. Palmarès rempli. A great list full of exes of names. Un jour même tu les rencontres, lui te rappelle, tu te rappelles plus de moi, il dit qu'il était trop. One day you can even. My name is Antoine. You remember getting that hole? Go away. C'est pourquoi? That's why. Si cela ne dépend que de toi. If it's only dependent on you. Vous qui you that are not married. Contenez-vous. Contain yourselves. Pour ne pas tomber au piège du diable, contenez-vous. For you not to fall within the devil's trap, contain yourselves. Avant de te marier, before getting married, ton futur te pose la question. Your habit to be histoire. Asks you a question. What's your story? Nous sommes tristes. We are with les choses anciennes sont passées. All things are gone. Quand quelqu'un commence à brader, when là, somebody starts talking that way, eh mon Dieu, pourri. Is rotten to the core. C'est pourquoi contenez-vous. But why contain yourself? Apprenons nos enfants. Let teach our children. À rester. To remain. Saint. Holy and pure. Pour le mariage. For the marriage. Ici, on est en train d'apprendre aux enfants. In this country, they're teaching children. À 13 ans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Now they can do whatever they want at 13 years old. Oh, listen to me, girls. Écoutez-moi, les filles. The Bible, la Bible, not allowing you to have a boyfriend. Ne vous donne pas la permission d'avoir un copain ou une copine. Non. No. Don't talk to your mom now. I'm 16. Ne I'm 13. Pas votre parent, I'm allowed to do whatever I want. You are not allowed to do whatever you want. Autorisé de faire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas autorisé. Oh no, I need to chat with someone. You don't need to chat with someone. Je dois causer avec quelqu'un. Vous n'avez pas le droit. I don't care even if you are a chatterbox. Même si vous parlez trop, vous n'avez pas le droit de le faire. Now I need to know more about nudity. No, you're not allowed. Je suis autorisé de parler à propos de la nudité. Vous n'avez pas le droit de le faire. I want to see people naked. Je veux voir les gens nus. Vous n'avez pas le droit. On your phone all the time, sur you're watching stuff. That's not good. Regardant des choses impropres, c'est pas bon. C'est pourquoi tant que parents, vérifiez les téléphones de vos enfants. As parents, we must check our children. You need to put the parental control. Mettez le contrôle parental sur les téléphones de vos enfants. Tout ce qui les regarde. Everything. Faites sortir l'intérêt de la chambre. Bring the TV out of the room. Restez suivre tout ce que vos enfants suivent ensemble. Watch everything together. Moi, ça me plaît de suivre les cartoons. Vous savez, Tom and Jerry. I love cartoons, Tom and Jerry. Je connais même Mickey Mouse. I know you, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Je suis. I watch it. Je suis Mickey Mouse. I watch Mickey Mouse. La la. Vous connaissez le la la. Do you know that song? Tingo, 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 little star. That's good for you. C'est ça, c'est bon pour vous. Maka, paka, maka, paka, 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 boum. Yeah, that's really good for you. You know, c'est bon. You're smiling, you're laughing, that's good. Vous riez, c'est bon. Don't watch stuff that you're closing your eyes. Why are you closing your eyes? Ne regardez pas des choses qui vous poussent à fermer les yeux. Why are you closing your eyes? Because you know it's inappropriate. Parce que vous savez que so why are you watching it? Et pourquoi vous le regardez alors? Hein? When mommy is not wrong, daddy is not wrong. Look at him. Papa et maman ne sont pas là. All the time they're en train de checker des choses. And that's not good.
vous riez. Because you are so stupid. Parce que vous êtes stupide. Can I talk to someone? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? I don't care if you're not laughing. I'll be proud to watch Paka Paka with you. Mais je serai heureux et fier de regarder les dessins animés avec vous. Hein? If you know the new series, just let me know. Si vous connaissez les nouveaux dessins animés, informez-moi, je vais regarder avec vous. Since I was a child. Depuis que j'étais enfant. Tom and Jerry remain the same size till today. Tom et Jerry, c'est toujours la même taille jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais grandi, jamais changé. Amen. Amen. In church here, listen to me. Ici à l'église. If someone comes to propose, say that I want you to be my girlfriend or my boyfriend. Si quelqu'un vient vous demander d'être son copain ou sa copine, tell me. Venez me dire. Don't hide it. Tell your parents. Ne le cachez pas. Dites à vos parents. At school. Même à l'école. Your teacher. Votre enseignant est en train de faire quelque chose qui n'est pas approprié, ne le cachez pas. You understand? Yes. Vous comprenez? Moi, je rentre à mon message. Regarde, il ne m'a pas question de dire. I'm going back to my message. L'alliance, c'est ça. The blood covenant. Et vous allez voir, bien aimé. Il y a aussi bien. Vous allez voir. Il y a aussi. Il y a des gens. La Bible. Je rentre dans mon histoire de Alphonse et qui? I'm going back to my story of Alphonse and Timothy. Vous voulez me faire changer de prénom? Et Timothée. And Timothy. Lorsque quelqu'un retrouve son Timothée. When somebody finds his Timothy. Timothée te dit. Timothy tells you. N'abandonne pas l'amour de ta jeunesse. Do not abandon your youth love. Tu commences à, il commence à te parler, tu sais. Start talking to you. Quand souhait. Yo. Tu te rappelles? You do you remember? Moi, j'étais protégé dans le coin du quartier. I used to protect you in that corner. Ah oui, tu étais un grand frère gentil. You were a neighbor. Ah non, je n'étais pas grand frère. Tu te rappelles? No, you don't remember anymore. I used to be know you had the brother. Et lorsque ces choses étaient remontées. And these things when they come. Il y a des gens avec des Timothée pendant qu'il avait un enfant. That had children with Timothy while they were living with Alphonse. That's why somebody was saying, la vraie personne qui connaît son enfant, the real person that knows the child is the woman. Because you could say, this nose is like mine. But what you don't know is that Timothy's nose was like yours as well. Maintenant dans ce cas. Now in that case. Tu as connu le Seigneur. You've known the Lord. Tu as connu le Seigneur. You know the Lord. Maintenant il y a des enfants qui sont à Alphonse et à Timothée. There are not kids that belong to Alphonse and Timothée. Qu'est-ce que tu vas faire? What are you going to do? Je réponds ma question. I'm asking a question. Après avoir retrouvé ton Timothée. After you found your Timothy. Vous avez quatre enfants. You've got four children. Sur les quatre enfants. Among them, comme tellement la passion pour Timothée. Because you've got a great passion for Timothy. Trois enfants Timothée, un enfant Alphonse. Three belong to Timothy and only parce one. Parce que tu voulais conserver la nature. Because you wanted to protect the nature. Après maintenant. Afterwards. Quelle est la suite? Quand tu connais le Seigneur. What is going to happen when tu vas garder cela? Are you going to keep it? Non, regardez-moi, vous ne voulez même pas répondre. Je sais que vous n'êtes pas là, mais quand même. You're not here, but please. Il faut dire la vérité. You must tell the truth. Et quand tu dis la vérité, and when you tell the truth, il faut assumer aussi les conséquences. You must accept consequences. Si tu es déjà dans le couple, if you are in marriage, et cela est arrivé, and this is happening, la décision n'appartient plus à Dieu, the decision does not belong to God anymore, but to the husband. Si le mari veut te garder. If you want to keep you, il a dit, malgré que tu étais avec Alphonse, he says, despite the fact that you've been with Alphonse, trois enfants avec Alphonse, moi et seul, three children with him, I've got only one. J'accepte. Accept it. Maman, cours vite, va donner, va tenir la corde de l'hôtel de Belle Vue. Run away, go and pay an offering. Mais s'il n'accepte pas, but if he doesn't accept, te chasse de la maison. He chases you out of the house. C'est lui qui va te pousser là. Whoever is going to get married to you adultère. Has committed an adultery.
L'homme, la femme qu'elle va épouser. The man. Le gars. The wife is going to get married to. That's legal. Alléluia. Amen. Attention. Be careful. Avec le sang. With the blood. Attention avec le sang. Be careful with the blood. Et c'est des choses que je ne pourrais pas dire parce que les enfants sont là aussi. There are things I cannot mention here. C'est qu'on doit savoir aussi dans la vie. What you must know in life. Lorsque tu entres en relation, intimité. Enter in a relationship that is about intimacy. Donc cela veut dire. It means. Vous partagez aussi le sang. You share the blood as well. C'est pourquoi dans le mariage. That's why in marriage, la Bible dit, the Bible says, que les liens conjugales soient exemptés de toute souillure. May the bed in the house be protected. Parce que la personne avec qui, because the person, tu tombes, with, si la veille est hôtel établi dans sa vie, tu partages l'hôtel aussi. If they had an altar in their life, you share it as well. C'est pourquoi il y a des gens qui payent les prix des choses qu'ils ne connaissent pas. That's why people don't pay the price of things they never know about. Il y a des femmes qui payent les prix des choses qu'ils n'ont jamais. There are women that pay the price for the things they never know. Vice versa aussi pour les hommes. The same for the man. Septièmement. Seven. L'hôtel. The altar. Satanique. Satanique. C'est le siège de pouvoir. Is the siege of the power. C'est le siège de prise de décision. Is the place that decisions are being made. Siège de décision. The place decisions are being made. Place de prise de décision. The place decisions are being made. Et les délibérations démoniaques. And where they decide on everything. Cela veut dire. It means. Je me rappelle à l'époque du feu président Mobutu. I remember back in days when the president Mobutu was. Ils avaient le conseil des ministres. They had minister council. Je crois que c'était chaque vendredi. It was every Friday. Et vous voyez les ministres de l'information donnant le compte, faisant le compte rendu de la réunion. And you see the government spokesperson. Et ils avaient l'habitude de dire après débat et délibération. They used to say after a debate. Nous avons décidé. We have decided. C'est de la même manière. The same way. Lorsque l'autel du diable est élevé. When a devil's altar is raised. On dit aussi après débat et délibération. They say after debate and decisions. Ils ont pris ton nom. They took your name. Famille, oui. They said him. Candidat. Is a candidate. À la prochaine table. To the next table. Imaginez. Imagine. Que tu es là. You have. Mais tu es candidat. By candidate. Tu es sur la liste. On the list. De la prochaine personne qui sera sur la table. Of the next person to be put on the table. Il y a d'autres qui disent moi je ne prendrai que sa bouche. Others will say I will only eat his mouth. Les autres disent ses oreilles. Others. Only my is. So they dis, moi je vais manger comme la sainte le ventre et tout ce qui est à l'intérieur. Others will say, I'll eat the trips and everything. Moi je vais manger les parties. Je vais faire ça fumer sauter. I'll eat his ribs. Le diable bien aimé. The devil. Il y a l'hôtel à pouvoir de prendre des décisions sur ta vie. His altar has got a duty to make decisions about to say from now on his life should not go any further. Everything goes through the word, beloved. Alleluia. Amen. We believe by this time of prayer we're going to decision qui a été prise, des débats et des délibérations, nous allons changer cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Any decision that's been made, we're going to change it. Si sont entrés en réunion par rapport à ta famille, if they've been in meeting for your family, nous allons faire échapper ta famille par la puissance du nom de Jésus. To take it away by the name of Jesus. Alléluia. Amen. Huitième caractéristique. Eighth characteristic. L'hôtel c'est le lieu de transactions démoniaques. The altar is a place of demonic exchange. Trading. A demonic trade. L'hôtel. The altar. C'est le lieu de transactions démoniaques. It's a place where they do demonic trading. C'est là où beaucoup de filles sont dans l'échange. That's where a lot of people's lives are being exchanged. Je vais vous expliquer un peu par rapport au trading. Comment I'm going to explain to you how the trading works. Tu donnes par exemple, maman lui dit donne 1000,
prédomine le 1000 pounds. Mama Lily could give 1000 pounds. J'ai dit, Mama Lily, après 6 mois, I say, after 6 months, si tu décides de ne pas prendre les bénéfices après 6 mois, je vais te rapporter par exemple 1600 livres. If you say you're not going to take any benefit from me after 6 months, Mama Lily, you attends après 6 mois, after 6 months, je lui donne 1600. She is waiting for me to give 1600 pounds. Et pendant ce temps, qu'est-ce que moi je fais? During this time, what am I doing? Je reste devant mon ordinateur. I'll sit back in my building for some time. Je commence maintenant à vérifier. Checking. Est-ce que l'euro est élevé par rapport au pound? Is it higher compared to pound? Je vais brader, je vais tester, acheter euro. I'll try to buy euros. Bénéficier de quelque chose. Get some. Si à ce moment l'or est élevé, je vais mettre. If the gold is high, I'll put money there and buy. Lorsqu'il y a baisse de prix, if there's the price go down, I'll run and buy. Deux jours après, le prix va. Another 2 days later, it's gonna work. Deux jours après, je suis en fond. After 2 days, I'll sell it and I get money. Il y a ce qu'on appelle les actions ou les shares ou les parts. This is what we call shares. Parmi les compagnies comme, prenons l'exemple, Apple, Google. Companies like Apple, Google and others. Tu peux acheter une action. You can buy a share. Ça peut être par exemple 20 livres le matin. It could be 20 pounds in the morning. Et le soir, ça peut être terminé à 40 livres. And the end of the day, 40 pounds. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Avant qu'il soit la nuit, tu peux vendre. Before night, you can sell. Et tu gagnes le double. And you earn the double. Mais si le matin tu sais que ça va chuter. If you know that it's gonna fall in the morning. Au lieu d'acheter, tu vas déjà vendre, toi garder les 40. Instead of selling, you can buy your unit and keep the 40. La même action reviendra à 10. The same action come back. Avec les 40 livres, tu peux acheter 4 actions. With 40 pounds, you could buy 40 actions. C'est comme ça, ça se passe dans le monde de satanique. That's how it works in the devil. Ils font des transactions. They do trade. Ils trouvent que ta vie, seeing that your life n'a pas de la valeur, has got no value. Ils vont léguer cela moins cher. They will sell it at a cheaper price. Pour que l'autre qui a pris ta vie, so that somebody that has taken puisse life, avoir une certaine puissance. They may have some power. Mais quand tu n'as pas de la valeur, but if you qui n'ont ni valeur, they have got no value. Dans le monde. Ni même valeur auprès du diable. Even in this world, même si les sorciers in the devil, les sacrifices, même les sorciers disent non, nous allons perdre le temps. Even the devil, the witch saying, I'm just going to waste my time. Parce que tu n'es pas bon marché. Because you no valued. Alléluia. Je vous donne un exemple. I give you an example. Joseph. Il a été vendu. Was sold. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, là, là. Amen. Amen. Joseph a été vendu. Joseph was sold. Mais il s'est fait qu'après. But afterwards. Selon les plans de Dieu. According to God's plans. Joseph est devenu premier ministre. He became prime minister. Mais il y a des gens qui sont vendus. But there are people that are sold. Et leur vie bloquée comme tout. And their lives are still blocked. J'ai appris au Nigeria. I've heard that in Nigeria. Si quelqu'un te pose un appel, ou quelqu'un te pose un problème. If somebody brings a problem to you. Tu peux aller acheter un cadenas. You can go and buy. Un cadenas. A padlock. Thank you. Tu vas acheter. You can buy a padlock. Et quand tu bloques, when you comment tu as fait? Tu dis Antoine. You call that person's name. Comment tu m'as fait ceci? Because you've done this. Tu vois ta vie. You see your life. Je bloque. I'm blocking it. Et automatiquement, il y a une répercussion dans la vie de la personne. Automatically, that will happen in that person's life. La vie n'avance plus. The life will never go. Oh, ma sœur, mon frère. Brothers and sisters. Si toi tu as connu un Antoine qui a bloqué ta vie. If you've known it. Nous prenons une clé passe-partout pour t'ouvrir. Tu sors dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. In Jesus' name. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien aimés. There are people qui vont consulter les bois. They are going to see the woods. Ils consultent les bois. They see the woods. Ils vont aller parler. They talk to the wood. Quand ils consultent les bois. When they consult. Tu vas dans un village. You go in a village. Et tu commences à parler. Start talking. Tu commences à parler. Start talking. Et les esprits qui sont là. And the spirits. Ils prennent cela. They will take it. Quel est l'impact dans la vie des gens? So an impact. C'est pourquoi, mon frère. That's why, brother. Quand on parle de l'hôtel. When you talk tu about prends les bois français.
cela. You can ça see peut être basé sur la parole seulement. It could be led on the word. Sa vie n'ira pas de l'avant. Your life is not going to. C'est une parole qui est sortie. It's a word that came out. C'est pourquoi. N'accepte pas. Do not accept. Si les mauvaises paroles sont prononcées sur toi. A bad word to be. Non, vous n'avez pas compris. N'accepte pas. Une mauvaise parole soit prononcée sur toi, sur tes enfants, sur ta postérité. N'accepte pas. And your descendants. Parce que because ça peut constituer that could be une forteresse. A fortress. Quelqu'un vient dire, tes enfants ne sont pas intelligents. Your children are stupid. And you start laughing. Automatiquement, on vole les cabesses de tes enfants. They steal the brain. Et tes enfants deviennent des bourriques. And they become useless. Ça veut dire une honte d'être un papa intelligent avec les enfants bêtes. That's a shame to be an intelligent father with kids that are not. On t'appelle tout le temps à l'école pour demander ce que tu as étudié. Every time they call you to school to ask, have you ever been to school? Pourquoi? Parce que tes enfants n'y vont. Because your children don't have any level. Ils sont, on te pose la question. Ask your question. Tes enfants sont nés en Angleterre. Your children were they born here? Ou en Europe, oui. Or in Europe, yes. Mais comment se fait-il que ces enfants ne sont pas intelligents? How come they're not intelligent? Papa, tu as étudié? Oui, j'ai ma licence. Have you been to school? Yes, I've got my degree. Mais yes. Mais maman, tu fais un effort, hein? Until you make an effort for your children. Ça, c'est l'hôtel qui faut redresser. That's an altar that needs to be destroyed. Neuvième caractéristique de l'hôtel. Ninth characteristic. L'hôtel est un lieu de contrôle. The altar is a place of control. Et de surveillance. And surveillance. L'hôtel est un lieu de contrôle et de surveillance. It's a place of control and enforcement. C'est comme un CCTV spirituel. It's like a spiritual CCTV. Qui contrôle ta vie. That controls your life. Mais tu n'as pas besoin de dire au diable. You don't need to tell the devil anything. That you are in Birmingham. Ils savent que tu es à Birmingham. They know that you're here. Même si tu ne dis pas que tu allais te cacher en Guadeloupe. Even if you don't tell them that you're hiding in Guadeloupe. They've got a connection there and see you. Oh, je veux dire, ils sont même en toi. They're even within you. Tu payes le visa, le billet, le passeport. Visa. Et aussi, tu achètes aussi le billet, and you le buy passeport et le visa. Passport for them. Tu prends l'avion, first class. Tu viens dans l'hôtel dans le first class. Bring the altar with you. Ils te contrôlent. They control it. Ils savent tout ce que tu fais. They know everything you do. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Je prends des pierres spirituelles et je casse ces vitres, ces miroirs. I'm taking it to the world. Au nom de Jésus. Break that mirror that makes me being seen everywhere. Moi, je crois que c'était de la blague. I thought it was just a. Le jour où j'ai prié pour quelqu'un ici en Angleterre. The day I prayed for somebody here in this country. On l'appelle le Bandundwadwe. They called him in Bandundu from Bandundu. To ask the question. Because they told me in the village. When we pray, the face of that pastor came up. We could not see him. Now I'm no longer taking risk for my life. Pour prendre le risque là. To take the risk. Il faut savoir que cette personne. You must know that this person. A resté là avec toi. Même si vous ne dites pas. Amen. Excusez-moi, je viens pasteur. I saw a pastor. Je viens pasteur. Il jeûnait 3 jours à sec. Was fasting for 3 days without eating. Je l'ai regardé. Je suis en jeûne de 3 jours. I'm fasting for 3 days. J'ai dit, hey, moi je devenais un païen. He came a pagan. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. First, the one that exists. That mirror does exist, beloved. C'est à partir de ce jour-là. It's from that day. Understood. Que le monde était né par the darkness world does act. Si quelqu'un était à l'ombre. If somebody was accepted, I would have accepted. Maybe they've seen my videos. They've got a problem with electricity. They don't even know the TV. They live according to the traditions. But they've seen my face. Pour empêcher au monde de ténèbres d'être stop that world. Fais
somebody, brothers, les autels existent. Altars do exist. Maintenant, pour que ces gens-là voient encore ma figure, il faut que l'enfant soit l'enfant de l'État. Now, for those guys to see my face again, that child must be mine. Cet enfant de l'État must be mine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses bien aimées dans la vie. There are things in life, beloved. Cherche à manger ta semolina calmement. Find your semolina and eat it easily. Cherche à manger ton goat calmement. Get your goat's meat. Mais ne va pas provoquer les hôtels d'autour. Do not go and provoke some people's altars. Quand tu provoques les hôtels d'autrui, if you go and sache que tu as des backup derrière toi, make sure you go a backup. Sinon, otherwise, tu rentres chez toi à la maison, you go back home avec maman terre, with your wife, you start fight. Il y a pas de backup. There's no backup. Les hôtels là, those altars. La nuit quand tu vas tu essaieras de dormir. When you try to sleep at night, you start having nightmares. What? Who? The work you are who? What are they saying? In Jesus' name. Come on, Jesus. How come? Jesus. I saw them. Écoute, si tu ne veux pas les voir, ne les provoque pas. If you don't want to see them, don't provoke them then. Mais s'ils sont déjà en toi, but if they are always within you, not choice. Est-ce que voilà quelqu'un? Amen. S'ils sont déjà en toi, ils te contrôlent déjà. They are within you. They do control you. Il y a des gens qui disent mon pied, ton pied. People say wherever you go, I do. Ça dit partout tu es l'hôtel là, c'est que tu es là. Everywhere you go, the altar knows where you are. Les gens vont voir. People will see que tu es content. That you happy. Mais c'est que ça. What they don't know. C'est des joies les provoquées par l'hôtel. That joy is coming from the altar. Parce que les jours restent à compter sur la terre. Because you got only small few days left. Pour que tu reçoives vraiment les hammer derrière ici. For you to receive the hammer on your head. Après on va justifier cela par le stroke. And then they will say it was a stroke. C'est le stroke qui l'a emporté. The stroke took him. Et pourtant, la Bible dit il dresse une table en face de mes adversaires. The Bible says he prepares a table in front of my enemies. Et toi, l'Éternel l'a préparé pour que toi tu sois le cadeau commun. But for you, the devil has prepared for you to be a present. Je termine. I'm going to finish. Par la dixième caractéristique. By the tenth characteristic. L'hôtel est un lieu de communication. The altar is a place of communication. De renforcement. To strengthen. D'évaluation des activités démoniaques. Evaluation of demonic activity. De lieu de communication. Place of communication. C'est-à-dire l'hôtel. It means the altar. Communique. Does communicate. En disant, ces derniers temps. I say in these days. L'un couple est tranquille. The couple is okay. Provoquer une situation. They provoke a situation. Vous étiez là en train de suivre la télé calmement, monsieur madame. Watching the TV calmly. Vous regardez quelque chose. And you see something. La femme dit, la souris est entrée. The woman says, the mouse has been here. L'homme avait vu quand la souris est sortie. The man saw when the mouse went out. Après un certain moment, after a while, l'homme commence à dire, l'homme tu es toujours le même dit, toi tu ne me respectes pas. The man says, you do not respect me. La femme dit, the woman says, toi aussi, you too, tu ne m'honores pas. You do not honor me. Vous étiez dans la joie. You were happy. Après il y a des coups et blessures volontaires. After a while, you start beating each other. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'hôtel qui communique. What has made it? That altar communicating. Écoutez-moi. Listen to me. Oh, écoutez-moi. Listen to Je me. Je parle d'abord au couple. I'm talking to couple. Faites attention. Be careful. Le renard qui est passé et qui est sorti. The fox that can come in and out. Parce que le diable sait. Because the devil knows. Si vous n'êtes pas en paix. If you're not in peace. C'est à ce moment-là qu'il peut facilement travailler vos enfants. That's when he can work on your children. De toutes les manières, même quand avant que les enfants n'aillent dormir, tu ne pries même pas pour eux. Anyways, even if before the children go to bed, you don't even pray for them. Tu les chasses même, allez dormir, allez dormir. Chase them away, go to bed. À
Après cela, tu te chamais avec ton mari. After while you comme les enfants n'ont pas la protection. Argue with your husband because allez, le monde des ténèbres vient vraiment jouer avec la vie de tes enfants. God comes and play with their lives. Écoute-moi, papa. Listen to me, father. Mama. Mother. Le meilleur endroit d'expérimenter si tu as l'onction, pas ici à l'église, commence dans le pays pour tes enfants. The best place to experience your anointing is by praying for your children. Tu dis l'enfant Pokémon, reçois le feu, l'enfant tombe, tu vois que tu as l'onction. And they will receive the fire and fall down. Partout je suis passé, que ce soit ici, que ce soit à Damari. On m'a parlé dernièrement, je suis allé visiter un couple de l'église là-bas. And last time I went to visit a couple. Ils m'ont dit, celui-ci s'est dit pasteur Samuel. They said this one is calling himself Pastor Samuel. Et pendant qu'elle prie pour sa sœur. And why she was praying for her sister? Fire, même en anglais, fire. Fire in English. Après souffle. And she blows. Et ça veut dire c'est un the little one goes down. Start playing on the floor. J'aime bien ça. I love que les enfants s'habituent déjà. Même si ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais néanmoins, j'ai la notion qu'il y a une puissance qui n'est pas. Alléluia. Appelons nos enfants bien-aimés. Il y a un hôtel de communication. Qui sont là pour donner les informations. Des fois, tu te poses la question. Comment c'est que vous faites vous dire avec votre mari la famille, c'est déjà. How come your family know whatever you do with your husband? Tu poses la question à ta femme n'a rien dit. You ask your husband, l'homme n'a rien dit. Mais comment c'est connu? C'est qu'en vous, il y a une hôtel de communication. It means there's a lot of communication within you. Tu essaies même de cacher cela à ta femme. Parce que ma femme parle trop. You may ou son mari parle trop. My wife, tu caches. Tu fais des choses en secret. You tu attends seulement les résultats pour dire à ta femme. Tu as caché à ta femme. You hide it from your mais tu n'as pas caché à l'hôtel. But you never hide it to be all. L'hôtel a déjà communiqué. Ces derniers temps, il va envoyer 5 000. These days, he's going to send pour acheter des briques. To buy briques. Quand tu envoies les 5 000, when you send the 5 000, il envoie son agent qui pète ton cousin. They send qui pète ton père, ta mère, your father, mother, or your cousin. Ou l'homme de confiance. Or you trust him. Lorsque cet homme récupère les 5 000, when that person takes the money, tu l'appelles. The person you're calling is no. Et lorsqu'il vous dit les 5 000, after they've eaten, ils réapparaissent. They come back. Pour te dire, nous sommes frères. We are brothers. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hôtel a communiqué. The altar has. Il veut toujours te maintenir dans la pauvreté. They want to maintain you in mais le Seigneur désormais est vivant. The Lord of hosts. Qu'il est bénisse sa parole. Amen. His word.